Bienvenue sur cette deuxième vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir les emails transactionnels Zalando et quelles idées tu pourras prendre pour ton site. Allez, suivez-moi. Allez, c'est parti. On attaque donc avec le premier email, donc l'email confirmation de commande. Donc c'est celui que j'ai reçu immédiatement après avoir créé ma commande sur le site Zalando. Donc au début de cet email, on retrouve des éléments assez classiques comme mon prénom, un deuxième message intéressant comme quoi je vais recevoir un deuxième email dès que ma commande sera expédiée. Ensuite, on retrouve les trois éléments que j'ai trouvé peut-être le plus, sûrement le plus intéressant sur cet email. Donc d'abord une date d'estimation pour la livraison. Donc on retrouve ensuite un lien pour déjà pouvoir compléter son look. Donc Zalando avec ce lien veut clairement rediriger déjà ses clients sur son site pour pouvoir anticiper éventuellement des futurs achats. Ensuite, on retrouve donc sur cet email un lien qu'on retrouve clairement pas souvent, mais c'est la possibilité pour les clients d'annuler leur commande dans l'heure. Donc c'est certainement pour Zalando un élément de réassurance pour le client qui se dit en cas d'erreur, je peux toujours annuler ma commande dans l'heure après avoir créé ma commande. Donc ensuite un troisième point dans cet email, donc c'est un élément qu'on retrouve, un lien qu'on retrouve relativement peu souvent dans des emails de confirmation de commande, mais c'est la possibilité de pouvoir déjà annuler sa commande. Donc ici Zalando veut clairement réassurer ses clients et lui donner la possibilité en cas d'erreur d'annuler sa commande. Donc ça peut être un argument aussi pour les clients là, que la prochaine fois. Si je me trompe dans ma commande, j'ai toujours la possibilité d'annuler ma commande. Et ensuite, un dernier point que j'ai trouvé pour le moins assez étrange sur cet email, c'est ces quatre produits qui me sont recommandés, donc qui sont des joggings. Mais comme tu peux le voir, j'ai déjà acheté un jogging. Donc, quel intérêt de pouvoir de me recommander encore des joggings? Donc ici, si tu toi aussi tu recommandes des produits dans tes emails, fais attention et teste avant que les clients ne reçoivent pas exactement le même type de produits qui ont été commandés. Donc ensuite, on passe sur le deuxième email. Donc c'est l'email que j'ai reçu dès que mon colis a été expédié par Zalando. Donc un rappel ici que mon colis, ma commande va arriver d'ici 1 ou 2 jours. Je peux facilement traquer ma commande. Donc ici, un point qui aurait pu être certainement amélioré, c'est que je suis redirigé sur le site du transporteur. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir rediriger le client directement sur le site. Donc ici, le site Zalando, et de pouvoir traquer directement sa commande et suivre l'évolution de sa commande directement sur le site. Donc c'est un moyen de garder le client sur ton site au lieu de le rediriger sur un site externe. Donc ici, le site du transporteur. Et ensuite, on a ici un rappel des produits qui ont été expédiés. Donc toujours dans un souci de transparence avec le client et de le réassurer comme quoi les bons produits ont été expédiés. Et ensuite, on retrouve donc en bas de tous les emails, donc un bloc d'aide pour le client pour pouvoir soit contacter le service client ou retrouver les questions les plus courantes. Comment fonctionne la livraison, le paiement par facture, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas là ou... Donc c'est toujours dans un souci de transparence et de réassurer, de donner confiance au client. Et on passe au dernier email que j'ai reçu. Donc j'ai demandé un remboursement sur un de mes articles. Donc c'est cet email de confirmation du remboursement de mon produit. Donc on retrouve ici
le montant qui va m'être remboursé et via quel moyen de paiement. Donc ici, j'avais payé par PayPal. Donc si c'est une information relativement importante à partager avec ton client pour qu'il sache exactement quel montant va être remboursé. Et ensuite, on retrouve quel produit a été retourné. Et Zalando ensuite termine cet email avec une série de produits recommandés. Donc qui viendraient compléter le produit, les produits que j'ai retournés. Donc ici, on retrouve un jogging. Donc toujours dans l'optique de rediriger le client sur son site et de le réinciter à l'achat avec des produits qui pourraient m'intéresser. C'en est terminé pour cette vidéo sur les emails transactionnels Zalando. J'espère que ça t'a plu et que ce sera utile également pour améliorer tes emails. Allez, ciao, bonne semaine à tous.